Voici le tableau Festival dans la rue du Sud de Kuo Xuehu. Quelle est la scène représentée dans cette peinture? Elle se déroule dans le quartier natal de Kuo Xuehu, près de chez lui. C'est la rue du Sud où se situe le temple du magistrat divin, appelé aujourd'hui la rue de Di Hua. C'était un quartier commerçant très animé à l'époque japonaise. Après la mise en service du chemin de fer, beaucoup de commerçants du nord, ou même du centre, s'y rendaient pour faire leurs achats. Le 13e jour du 5e mois lunaire, soit l'anniversaire du magistrat divin, est le temps fort du quartier. Kuo Xuehu a grandi ici. Certains propriétaires de ses magasins étaient ses amis. Depuis tout petit, il avait l'occasion d'observer ces scènes. Ce tableau représente une rue prospère, festive, très animée. Cette rue très fréquentée, vue depuis le premier étage de la maison d'un ami d'école, resterait longtemps dans sa mémoire. Lorsqu'il a voulu faire une peinture pour l'exposition des Beaux-Arts de Taïwan, il a peint de manière détaillée cette rue d'immeubles modernes. Ce tableau est une restitution de ses souvenirs d'enfance. Il a peint ces immeubles modernes en combinant une vue en plongée et une vue en contre-plongée. Ainsi, le tableau offre plusieurs points de vue, créant un effet illusoire. Par ailleurs, il a transformé les immeubles à deux niveaux en immeubles à trois étages. Mais les détails d'architecture baroque de l'époque ont été simplifiés. Et il n'en reste plus que des portes et des fenêtres en plein cintre. Ainsi transformée, l'image présente une certaine régularité et un aspect systématique. La peinture a donc pris un aspect net tout en restant foisonnante. Quelle est la fête représentée? Ce n'est pas l'anniversaire du magistrat divin, c'est la fête des fantômes. Comment peut-on le savoir? Par les fanions, portant l'inscription « Célébrons la fête des fantômes », une manifestation à la manière taïwanaise. La façon japonaise se retrouve quant à elle sur les bannières, qui portent des inscriptions telles que « Solde de la fête des fantômes » ou « Cadeau pour la fête des fantômes ». Ce sont des activités plutôt commerciales. Ce tableau a intégré en même temps des éléments japonais et taïwanais. Proposer des soldes à cette fête est plutôt une pratique japonaise, alors que la façon taïwanaise prend un aspect plutôt religieux. Dans ce tableau, Kuo Xuehu a réuni de façon harmonieuse des éléments de différentes cultures. Cette diversité peut aussi être observée dans les enseignes. On trouve ainsi des enseignes de produits modernes avec des expressions japonaises, comme celle d'une horlogerie, par exemple. À l'époque, l'horloge et la montre étaient des produits nouveaux et de luxe. Elles symbolisent aussi la vie moderne ponctuelle. Le peintre a placé cette enseigne, très symbolique, au centre du tableau, à la convergence des regards. Pour ce qui est de détails plus traditionnels, regardons à gauche, en bas, il y a l'enseigne d'un diseur de bonne aventure et une affiche de théâtre classique. On y voit donc tous les aspects de la vie, y compris les loisirs. La tradition et la modernité coexistent dans ce même tableau. Par ailleurs, il y a aussi une place pour les spécialités locales. Ainsi, à gauche du tableau figure un panneau portant l'inscription « Produits de Formose ». Il s'agit de produits artisanaux en bambou. Sur le panneau figurent aussi des bananes, des autochtones ainsi que la forme de l'île de Taïwan. Ces enseignes réunissent des éléments de diverses cultures.
Il y a aussi bien des produits indigènes taïwanais que des produits japonais et même des marchandises importées depuis l'Occident. Grâce à ce regroupement, le tableau se révèle foisonnant. La tradition et la modernité y sont harmonieusement associées. En outre, grâce à la technique spéciale employée pour le traitement des couleurs, le paysage semble être en mouvement et acquérir de la profondeur. La fumée partant du temple monte doucement. Les bannières publicitaires bougent au rythme du vent, ainsi que les linges étendus à l'extérieur. Ces vêtements transportent nos regards vers un passé immémorial à l'infini.